Attention, ça tourne, là. Bon, dépêche-toi, j'ai mal au bras. T'as mal au bras? Oui, bah moi, j'ai mal au pied, je me pèle le cul, je peux te dire... Franchement, je vais te dire, 4 ans de journalisme, pour arriver à venir faire des émissions à la con devant un étal au Capucin, moi, ça me fout les glandes. On y va, c'est parti. 1, 2, 3, bonjour mesdames, bienvenue sur TV995, dans notre rubrique hebdomadaire, la femme au centre de nos préoccupations. Alors aujourd'hui, avec les fêtes qui arrivent, eh bien, les calories vont s'inviter dans nos assiettes. Je vous propose une petite recette de soupe sans féculents. Alors, on va retrouver... Attends, il y a un mec dans le cadre. Monsieur, on est en train de tourner une séquence. Vous êtes en train de filmer, voilà, pour une petite émission. Ok? Ah, je suis désolée. Bah, je vous en prie, c'est pas, il n'y a pas de mal. Alors, oui, notre recette à base donc de légumes sans féculents. 3 poireaux, 2 courgettes, 2 morceaux de fenouil, une branche de céleri... Fenouil. Je rajouterai qu'il faut prendre aussi des châtaignes, c'est très bon pour la santé. D'accord. Et surtout pour la nuit. Merci, mon Jean-Paul, tu mets sur moi, parce que sinon, forcément, si tu filmes sur lui, bah, lui va rester. Ce qui est bien pour la santé, c'est de prendre du zéro, puisque les poules sont à l'extérieur. Oui, hein? D'accord. Et toi, elles sont... Bon, c'est bon maintenant, vous êtes gentil, hein, on travaille. Non, là, oui, oui, allez, ça, l'idéal, merci. L'idéal, c'est d'avoir... Oui. Des poules chez soi, parce que sinon... D'accord, ok, on lui dira. On lui dira. Comment vous vous appelez, monsieur? Moi, c'est Jean-Paul. Driss, moi, je viens de faire 900 km. Et je tiens à dire que les œufs que j'ai achetés, c'est une catégorie 3. C'est pas bon, en fait. La catégorie 3, parce que les poules sont trop enfermées. Les gens ne le savent pas. Vous savez pas ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Allez. Parce que je vais pas faire autrement. Voilà, t'achetez pas. Et ben oui, voilà. Il faut bien les manger aussi. Et nous, voilà. J'ai fait 900 km et j'ai un rendez-vous à Sud-Ouest. Voilà. Bah, c'est bien. C'est très important. Alors je vous attends et je vous réserve une surprise. Vous allez venir avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Si. Non, mais là pour vous venir. Hein? Vous allez venir. Non. Pas loin. Si. Non mais voilà. Oui bon bah écoute, c'est bon. Arrête de lui dire tu viendras pas. Tu lui dis oui tu viens et hop après on s'en fout. Jean-Paul, tu viens?